Bonjour, c'est Gadi, bienvenue sur Gadi Gaming pour l'épisode 4 du Let's Play d'American Truck Simulator sur la map Reforma en compagnie de Rick, Farah et TVH. Oui, coucou. Donc on se reprend donc à Mazatlan, là où on s'était laissé à la fin de l'épisode 3, pour une nouvelle mission qui va nous emmener au sud du Mexique. Ouais! Non! Arriva! Alors, nous, en fait, on vient de se bourrer la gueule avec Farah et Rick, puisqu'on a fait un petit tour en ville le temps que la nuit passe, bien évidemment. Farah, il est encore un peu bourré, mais apparemment, au Mexique, on peut rouler bourré sur les autoroutes, ça pose pas de problème. Ouais. Contrairement en France, tu vas en prison, là-bas, tu pars. Non, je plaisante. Là-bas, ils ont une nouvelle bouteille. Je prends la cargaison qui était des tubes en acier. Et on va essayer de délivrer tout en bas du Mexique. Je vais vous montrer ça sur la plan vite fait pour que vous voyez de quoi on parle. Donc c'est là. J'espère qu'ils ont bien calé les tubes en béton, sinon ça va rouler, je le dis. Ouais. On va à Compostela. Voilà, c'est parti. Et on va passer par Tepic. Tepic un peu. Eh, roule ma poule. Il est déjà parti. Mais c'est pas mal, hein. Regarde là, tous ces ponts et tout ça, c'est pas mal fait là-bas. Où ça passe juste là. Attention, virage. Bien plus large, vert, c'est normal. Tenez la droite, sortez à droite. Et j'ai une longue remorque. Direction Tepic. Cool, pute, cool, garçon. Qu'est-ce que vous êtes con comme des balais. Tu m'as pas vu arriver en train de foncer, toi. T'as le point de métier, hein. T'as, il m'a bourré mon camion aussi pour ça. Bah, j'aurais dû lui défoncer sa voiture. Des fois, ça me prend de défoncer les voitures des autres. Bah, comment on passe, y'a pas de feu, y'a rien, je m'ai oublié de passer. Ouais, on va bientôt se croiser, Gad. J'ai pris 6% de dégâts, j'avais 2% avant de démarrer la vidéo, maintenant je suis à 6. Je viens de sortir du garage. C'est génial. C'est ballot. C'est ballot, ouais. Putain, non, c'est pas pour moi. Ah, on fait des. Il y a des problèmes, je me cale à 40, hein. À 40 à 40. Il me met à 40 sur l'autoroute. Il y a un problème là dans le rond-point, là, dans le rond-point. Il vous atteigne. Non, je me suis trompé de voie. Et t'as fait quoi du coup? T'as pilé comme un con? J'ai pilé comme un taré, j'ai fait une petite marche arrière, j'ai pillé la voiture de derrière et puis. Parce que là, je suis en train d'essayer de passer aussi, moi. Hop, une pousse à la voiture. Double accident, elle va se prendre dans la journée la voiture. C'est bon. Je suis derrière toi, Farah, c'est bon, j'ai tout rattrapé, tout va bien. Bon, c'était pas très légit ce que j'ai fait les vieux. Hein. Puente Rio jeu. Presidio. Et souhait. Voilà. Pouette. Oh, c'est joli là. Pouette. On passe au-dessus du Presidio. Rio Presidio. Eh. Eh, muchachos. C'est quoi le rapport avec les muchachos? J'ai répondu. En fait, c'est un des mots que tu connais en. En espagnol avec Buenas tardes et tout ça, non? Attention! Hop là! Allez, 3%! Non, sérieux? Ouais. Voilà. Bah, tu sais ce que ça fait de te prendre un coup de queue maintenant? Bah, oui, là, tu m'as rentré dedans, je suis obligé de te le rendre. Oh, non, hey, oh, j'ai déjà 6% dans la tronche, moi, avec une voiture à la con. Je fais quoi? Je m'arrête, je vous attends. Non, c'est mon arrêt, on arrive. À 40, vous êtes... Alors, moi, je ralentis pas parce que j'ai Farah au cul, j'ai pas envie de le prendre. Gadu, si tu ralentis un petit peu, t'as Colombo qui va te doubler. Ouais, mais c'est quoi, moi je préfère pas ralentir. Je te jure, il y a Colombo qui va te doubler. Je vais mettre un bus décapotable. Ah, ça y est, je vous assure là. C'est pas une 404 qu'il avait 404. Hein? C'est kiff, hein? Bleu ciel, bleu Gadu Gaming. Grise. On va être contrôlé. Ouais, c'est vrai. Ah non, c'est des péages. Oh, il y a des péages de ce côté-là. Bon, je te rattrape, Rick, hein. Tout va bien. Ouais, bah ouais, il y a des péages. On va se retrouver au péage. Je double sur la bande d'arrêt d'urgence, en l'occurrence, je pense que c'est une urgence, donc du coup, je me permets. Lève le pied. Moi, je passe à droite. Ah, ça va, oh putain. Y'a pas de barrière à droite. J'ai encore fait du dégât là. $25 payés, c'est bon. Je crois que j'ai fait du dégât sur une voiture qui a voulu tourner au dernier moment. J'ai fait du sale. Ouais, je crois que c'est du sale. Par contre, j'ai pris très cher, mon camion, il a pris très très cher. À Caponeta. Par contre, il me demande de faire le tour sur le GPS. Baluarte. Il me dit que sur le GPS, j'ai pas passé par le route. Encore une rivière. Putain de Mexicain de merde. Quel racisme, ça, franchement. Non, mais là, s'il me rentre dedans, il me voit arriver, pourtant. Hein. T'es un touriste. Les vieux, moi, je cautionne pas le racisme de Farah envers les Mexicains. Pour
Les Mexicains. Mexicains. En parlant de Mexicains, vous avez vu qu'ils allaient faire un film sur Minecraft ? J'ai vu ça. Avec des comédiens ? Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec les Mexicains ? Oui. Ah, c'est parce que au Mexique. Quand tu pop dans Minecraft avec le skin de base, il était de Mexicain. Ah bon ? C'est pas ça. Et encore une rivière. Non, ah, il y en a de la flotte ici. Se disent, je peux tout à fait. Et Gadu avait dit que c'était désertique, hein, le Mexique. Voilà. Qu'est-ce que c'est vert ? Bah oui, c'est totalement vert, je confirme. On se croit en Bretagne. Les grandes forêts mexicaines. En Bretagne, c'est vert, je peux t'assurer. Regarde ça un peu. Est-ce que ça va nous faire drôle de reprendre des camions français après? Oh putain! C'est européen du coup. C'est bon, ça passe. Voilà, on se reprend. Alors désolé, petit crash. Hein. Alors vous avez pas vu tout ce que nous on a vu parce que nous on a eu d'autres problèmes de crash. On a eu des choses palpitantes qu'on voulait vous montrer absolument et qu'on peut pas vous montrer parce que le record a merdé. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est le logiciel Nvidia qui a merdé, mais toujours est-il que je n'ai plus le morceau que je voulais vous montrer. Du coup, on se reprend un petit peu en arrière, enfin, en tout cas pour nous. Pour vous, c'est la suite, bien sûr, puisque vous avez vu l'écran qui a coupé. Ah, tu peux leur montrer le paysage à droite, du coup. Et je peux leur montrer le paysage qui est à droite, effectivement, qui est un paysage qui n'est pas forcément exceptionnel. Je sais pas pourquoi tu voulais absolument. Non, mais c'est joli. Oui, qui est joli, effectivement, mais sans être, monstrueux, enfin, entre guillemets. Non, mais. Sans être énorme. Tu montres rien dans ce cas-là. Mais non. Ouais. Non. Alors pour les viewers, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a Farah qui a roulé n'importe comment. Il m'a défoncé en fait. Comment à ce moment-là. Non, j'ai pas roulé. Du coup, on n'a rien vu. Non. J'ai arrivé pour doubler. Tu t'es mis sur la voie de gauche. Donc moi, je t'ai doublé sur nos voies normales de droite. Et c'est la voie normale. Tu m'as doublé sur la voie normale de droite. Tu vois, déjà, il y aurait un flic ici. Là, t'aurais plus de permis déjà. Mais tu roulais à gauche. Tu roulais sur la voie inverse. T'étais à contresens. Comment ça, j'étais à contresens? Vous avez vu? Est-ce que vous avez une preuve de ça? Bah non, mais comme par hasard, il n'y a pas la vidéo. Putain, il n'y a pas de... Ah putain ! Ah putain ! Ta gueule ! Ta gueule ! Ouais, la barrière, elle s'ouvre pas, là, c'est normal, quoi. Si, elle est ouverte. Parce que faut que tu payes plusieurs fois. Bah, moi, je la vois ouverte pour toi. Ah bah, moi, je la vois s'ouvrir maintenant. Regarde, il a un petit coup de vent à droite, en pensant que j'allais même... C'est pour être sûr que tu ne me refasses pas le coup de doubler à droite, ce qui est interdit. C'est pas autorisé en France de doubler à droite. Mais même quand on double à gauche, tu te rabats sur nous. Mais il n'y a pas une question de doubler à gauche ou pas, une question qui se du foutait à droite. N'importe quoi. Et toi, qu'est-ce que tu foutais à gauche? Bah moi, je doublais. Doubler, il n'y avait personne. Comment c'est bah, j'ai le droit de doubler personne, c'est pas interdit en France. Doubler personne. Et quand il y a la double bande jaune? Interdit, c'est mauvaise foi. Mais il n'y a pas de doublement jaune là où j'ai doublé. Ouais, bah là il y en a une. Mais là je suis d'accord. Donc, du coup, Farah, tu doubles pas à droite. Attends, je me mets au milieu pour être sûr que Farah ne double pas. Hein, je suis la ligne. Ça, je suis sûr. Ça peut plus merder. Donc pour les viewers, bah, évidemment, vous avez tout raté le crash de Farah parce qu'il a fait n'importe quoi. Rio à Caponeta. Je sais pas si on aura l'occasion d'en revoir d'autres, des trucs comme ça parce que c'était magnifique. La région des Rio. Regarde, non, il roule pas à gauche. Non, il roule pas à gauche du tout. Et qu'est-ce que tu fous sur la ligne? Il voudrait me doubler, mais le mec de haut, il veut pas me doubler. Mais qu'est-ce que tu fous sur la troisième ligne? Fille. Farah? Oui. Je freine. D'accord. Putain, alors, bravo. Oh, alors là, j'étais sûr que t'allais toucher la remorque. Très bien joué. Il y a les flics qui te suivent. Tu les fais choper par les flics, juste derrière toi. Non. Si, ils t'ont vu, ils te suivent. Ils m'ont pas vu, ils mettent trop vite pour eux. Ils te suivent. Hop là. C'est double et t'as les flics qui arrivent juste sur la bouteille d'accélération qui est juste à côté, tu sais. Remorque d'invisibilité. Hop là. C'est dire quoi ça? Qu'est-ce que t'essayes de. Il essaie de m'entourlouper, lui. Rio San Pedro. Ah, y'en a de la rivière, hein. Oui, alors c'est vrai que bah oui, ça, les vieux n'ont pas vu, mais bon, c'est normal. On se les refait, hein. On va refaire toutes les petites rivières, parce qu'on était rendu loin, les vieux, hein. C'est pas juste, là, c'était pas juste pendant 5 minutes, hein, qu'on a eu le problème, hein. C'est pendant plusieurs dizaines de minutes, j'ai envie de dire. On va dire pendant une bonne dizaine de minutes. Attention, faut s'arrêter, faut s'arrêter. Oh putain,
Prends à droite. Ouais, ouais, non, mais j'ai hésité, mais je me suis dit qu'Eric allait. Putain, je. Merde, j'ai encore pris la barrière, merde. Tais-toi, tais-toi. Tais-toi. J'ai tout chié là, d'un coup là. Moi, étonnamment, mon voyage se passe bien. Se passe beaucoup mieux que le premier. Se passe mieux. Hé, attends que je te rattrape. Ta remorque et tout, tu vas voir que tu vas voler avec ta remorque. Hein, tu vois que tes tuyaux aussi que tu vas te les, tu vas te les mettre tes tuyaux là, de béton là. Hein, Rio Santiago. Viens-y. T'as vu la taille des tuyaux là, ce que c'est, tu sais comment, oui, ça peut faire mal ça, hein, viens, dans ta tronche. Hein, viens, mon lapin, viens. C'est pas temps. Bah j'arrive, je fais que ça. Jamais tu me rattrapes pas. Pour ça que la région est aussi verte, hein, avec toute la flotte qu'il y a. Et en plus vous avez raté tous les accidents de Farah derrière, parce que Farah il a fait plein d'accidents après. Il a pris deux poteaux. C'est pas vrai. Si, il a pris deux poteaux. T'as une preuve de ça ? Bah tu l'as dit. Non. T'as pris un poteau et en fait là, en y ville. Et là il y a un panneau interdiction de doubler. Et t'as essayé de me redoubler à droite et t'as foncé dans le poteau qui était à droite. Absolument ça, pas. C'est les vieux, ils ont absolument tout raté. Ça, c'est tellement dommage qu'on ait plus ce morceau là. S'il y avait une vidéo que j'aurais voulu garder d'une espèce, c'est celle là et c'est la seule qu'on a ratée. Il est sympa ce pont là. Je suis dégoûté. Ah, au-dessus mais... Putain de Mustang de merde. Comme dirait Farah, putain de Mexicain. Non mais attends, et il avait assédé le passage, il arrive en Mustang, le mec il me passe devant, c'est sans ralentir. Donc forcément je vais défoncer. Forcément. Alors, là on arrive dans la partie forêt avec plein de ralentisseurs. Un forêt amazonienne. Voilà. Ouais, sympa la forêt. La meilleure des parties les pires. Vous avez vu ça comment c'est beau là, bon, là il y a le ciel qui nous tombe sur la tête. Là, je ralentis un petit peu pour vous montrer les détails, parce que là il y a du détail. Alors, à voir. Ils ont de la chance, les gars, parce que cette partie-là, je sais pas si... Enfin, vous, je sais pas, mais moi, je l'ai fait dans le brouillard. Hein. Ah non, moi, je l'ai fait tout à l'heure. Moi, j'ai bien fait, moi. Non, moi, j'ai dans les mêmes conditions, soleil. Il y a du, t'as du retard, il y a du, t'avances pas, mais non. Non, parce que je suis en train de montrer aux viewers les belles images. Oui, parce oui. Que t'as tout foiré à la dernière vidéo, oui, là, et donc... Bien sûr. Bah, bien sûr, c'est... j'allais le dire. Use el centurion de seguridad. Hey. Attachez votre ceinture de sécurité. Certainement. Guadalajara. Guadalupe. Por libramiento. Bon, fonctionnement du moteur. Viens visiter un atelier de réparation. Il y a une antenne de radio là. 5G. À gauche. Non mais là c'est sympa hein, le coin. On voit les routes qui passent au-dessus. Il y a du vent en rétro. Moi c'est dommage parce que le Farage je le verrais mieux plié dans un fossé, tu sais. On le voit plus le gadi dans bah le si, je suis juste derrière Rick. Il est où le gadi? Bah je suis juste derrière Rick. Il est où le gadi? Bah je suis juste derrière Rick. L'échangeur est sympa là. En vue extérieure là. On part dans tous les sens. Oh tu es en dessous. Disminuya sous velocidad. Velocidad. Bon bah nous voilà à Tepic. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est froid de Tepic. Tepic. Tepic Centro. C'est Tepic d'ici. Ouais. Guayabitos. C'était marqué sur le panneau. Hein. Oui. Vous y avez marqué Guayabitos à droite. On ne voit pas de Gadi. Hein, mais j'ai rien vu du tout. Comment ça on ne voit pas? Ouais, t'as rien vu du tout. T'as vu à la vitesse à laquelle tu roules? Pas du tout, je suis un petit 50 miles per hour. On ne voit rien. Allez, c'est parti. Allez. Ça sent le rollback tout ça. Non, pas du tout. C'est moi qui vais prendre le cher tout court. Parce que... ouais. Oh putain, mon moteur qui déconne en plus. Putain, excès de vitesse, 940$. Eh, faites gaffe, c'est serré en face. Hein. C'est con, la ville, elle est sympa, tu vois, oh, elle est putain. Bien modélisée, ça tout tapé. Ça. Ça a tapé sur le côté. Non, vous faites la course dans les ruelles. Mais c'est pas moi, c'est lui qui me colle au cul. Ouais.
Voilà, vous avez vu les statues et tous les joueurs là-bas, là. Vous faites pause. Voilà. Mais non, on roule peinard, hein, Farah, on roule peinard. Oui, oui, on roule peinard. Maintenant que t'es un peu plus loin, j'ai roule peinard. Ouais. Viens par là, Farah, pour voir un petit peu. C'est ça. T'as eu peur hein, de voler dans la ville, hein? Non, mais non. T'as eu peur de te prendre un mur, hein? J'ai géré. Pilote. Ouais, parce que c'est normal, tu t'es entraîné depuis tout à l'heure, puisque tu t'es vautré dans le fossé tout à l'heure. C'est pas vrai. Si, si, ouais, je t'avais en vidéo, t'étais magnifique. T'as rien à droite comme une fusée, là, tu t'es pris le poteau à la droite, là. Totalement faux. Ah, ouais, moi, je commence à raboter aussi la barrière, tiens. C'est bon, j'ai plus de dégâts. Tout va bien. Putain de merde. Voilà, tu vois, ça sent l'accident, ça. Tiens, ça t'a rien fait, c'est ça encore, tu vas me dire? Non, j'avais pas senti. Oh, bah, t'as senti. Vu comment elle a bougé senti, ta remorque? J'ai rien senti, monsieur. Putain, j'ai bien tapé fort, bon temps, putain. Oh, ta remorque a dû prendre des dégâts, c'est pas possible. Mon cumul, il est bien pété, à tout cas, moi je veux dire. Je lui dis que ta remorque a forcément pris. Bon, à part ça, les vieux, vous avez remarqué les décors amazoniens? Je sais pas si ça se dit. Amazonien. Bah regarde, il y a de la forêt. On est milliers de kilomètres de l'Amazonie. Bah regarde, il y a de la forêt partout, c'est amazonien, non? Oui, on se croit en Bretagne. Parce que j'allais le dire. Oh putain, je vais passer dans le fossé. Comme pas c'était là. Regarde, ils ont pas élagué sur la route. Hein. Voilà. Là on est bien. Voilà. Non, reste derrière, ça va essayer d'avancer, reste derrière. Voilà. Tu vois quoi tu veux. Alors t'as pris combien de dégâts? 21. Mais c'est pas mal. c'est moins que moi mais c'est pas mal. Je suis encore collé actuellement, je sais pas, je suis à combien, j'ai à 25, un truc comme ça. Voilà, donc pour les vieux, hein, d'habitude on joue pas avec les camions, on est sérieux. Là, on a toujours dit pas les habits ni les camions. Alors, voilà, d'habitude c'est Kaya qui joue avec les camions, nous on joue pas avec les camions, on est sérieux, mais là, vu comment c'était passé la première vidéo, je pensais que t'allais voler plus que ça. Et j'aurais bien voulu que tu retombes comme une tortue, comme disait Rick. Là. Voilà, c'était mignon. T'as peur maintenant de moi, hein? Non, du tout. Si y'a le grand gagnant qui t'a défoncé, tu fais oh putain, attends, faut pas que j'y retourne. Elle est bonne. Oh putain, c'est tendu. Bon, bref. Maintenant que j'ai foutu une branlée à Farah, on va pouvoir revenir normalement. Et aller guérir tranquillement sa remorque avec les tuyaux. Enfin, ce qu'il en reste, parce que pour ceux qui sont pas fissurés. C'était des marqué. Guayabitos. Il doit rester des bouts de ciment sur les palettes, tu sais. Bah, je vais te dire. Sur les palettes, ça va. Il te reste pas entre les dents, toi, des bâtiments. Hein. Bon, comme vous voyez, les bouillards, il n'y a plus de route, c'est normal. Parce qu'en fait, la route est se construit. Et là, on est en train de livrer justement les tuyaux qu'on va mettre. Ah, dégâts. Dégâts de la semi, 11%, ça, mamie. J'ai vu le camion de Farah faire. Mais. T'as fait combien de dégâts là? 2 je crois. Ah bon, bah ça, bah, putain, même ma spine a pris cher. Ils vont râler parce qu'il n'y aura plus de tuyaux en bon état avec tes conneries. Alors, on va essayer de garer gentiment la remorque. Donc là, normalement, on ne se touche pas. Je dis bien normalement parce que je me méfie énormément que Farah arrive comme une balle et BOUM! Rick est resté en retrait, heureusement, parce que sinon, le pauvre Rick. Ouais, mais dépêchez-vous de livrer, hein. Les mecs ils attendent pour bosser. Bah, le problème c'est que. Ils sont bloqués là. Ils vont récupérer de la poudre plutôt que des tuyaux, mais bon. Alors, ils vont râler parce que là ils vont me dire. Vous avez niqué la. Alors, satisfaisant. Bah, ils sont contents. Ils sont contents bon travail. Ce... Moi j'ai excellent. Vous en avez cassé que 2 sur 9, ça va. tranquille. Alors, les viewers, vous n'avez pas suivi forcément ce qu'on a fait déjà dans la vidéo précédente, enfin dans le morceau que vous n'avez pas vu. Donc ce qu'on va faire, on va refaire pour vous. On va vous remontrer ce que vous avez raté, enfin en admettant que mon camion veut bien démarrer. Alors, déjà... Oh putain, j'ai démarré en marche arrière.
Pourquoi Farah arrive sans remorque? Pourquoi tu te mets devant moi sans remorque hein? Toi, tu me tapais dedans. Je sens que tu me tapais dedans. Donc ah, regarde-moi ce chemin. Là. Voilà, bonjour, ça bien. Une belle route. Merci Farah. Donc, on a une jolie route, comme vous voyez, qui est très sableuse, terreuse. Nous, on est là, évidemment, pour rapporter les tuyaux, pour... Alors, pas le bitume, c'est ça, genre, l'un des petits virages là-bas. Je vais pas faire me bourre pas dedans. Ah, merde. Mais ça sera pas la route, hein. Elle va passer au-dessus de nous, je pense, là. Ah, oui, bien sûr. Elle va aller tout droit au-dessus de nous. Il y a Farah qui... Pour une autoroute, ça serait dommage de faire des virages serrés comme ça. Il y a Farah qui prend le mélange. Ouais, je m'en doutais. Ouais, ça va, 1%. Il fait du stock car, du stock camion. Du stock truck. Là, l'auto, et l'autoroute, elle arrivera en haut. En allant tout droit, évidemment. Alors, les virages, vous le voyez pas, mais en fait, il y a des petites bosses de sable. Et en fait, on pourrait se coincer les vieux. Hein, donc, je suis sûr que la route est très. Elle est mal faite. C'est technique là. Elle j'ai fait une livraison ici, c'était technique avec. Ah, bah, tu m'étonnes déjà. Sans remorque déjà c'est compliqué, mais alors avec une remorque j'imagine que c'est un peu le bordel. Bah, donc l'autoroute va arriver ici, jusqu'à ce voilà, jusqu'à ce tunnel. Le TVH nous abandonne juste à la fin de la vidéo. Oh c'est fait. Il est comme bah, ça. Moi, j'ai le droit de dire bye bye avant tout le monde. Ouais oui il est déjà parti. Tout le monde s'en fout. Oui, mais il est parti en tout cas. Bah, je suis pas là. Et là si tu regardes maintenant, tu vois que c'est à peu près dans l'axe. À peu près dans l'axe de. De ouais, il y a un petit virage quand même, mais oui, effectivement, c'est pas très long. Oui, ben oui, mais c'est à peu près quoi, ça va. Ouais. Non, parce qu'ils vont, ils vont continuer de creuser un peu la montagne et puis voilà. Bonne nuit les vieux. Un gros dodo. Bonne nuit TVH. Allez, bye bye. Et là, je viens de taper sur le côté, les vieux, vous avez vu. Taper sur le côté, j'ai pas tapé dans Farah parce qu'il est transparent. Enfin, non, pas le papier. Oh putain, par contre, dans Rick là, ouais, s'il freine comme ça en plus, c'est bon. Ok, bah Rick est parti carrément, lui il s'en fout, il a crash, je sais pas. L'un ou l'autre, mais il était devant moi, il a disparu. Ouais. Pas de connexion réseau. Ah bah voilà, bah, ok, c'est fait. Je veux toujours sur la carte, mais je veux plus, en fait, il est non pas le palpable. Il vient de revenir. Ah d'accord, ok, bon, ok. C'est la téléportation. Bref, pour les viewers, du coup, bah, on va pas forcément retourner en ville, même si elle est un petit peu loin. C'est un peu marrant, notamment de vous la montrer, mais sauf qu'on n'est pas rendu. Donc on va chez ici. En admettant que Farah ne défonce pas, mais je pense que Farah il a du mal à me rattraper. Bah, il cale en fait, il cale, j'entends en train de caler. Mauvais fonctionnement du moteur, tu m'étonnes que t'arrives pas à me rattraper. Voilà, donc du coup on va chez ici sur ces belles images et ces belles paroles. Et on va se dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez bye bye. Allez bye bye. Allez, bye, bye.